Bonjour! J'avais quoi faire pour les intros. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Ça a été mon anniversaire le 8 décembre, mais cette vidéo, je la tournerai quand même. Pas grave, si elle sortira au mois de janvier. Aujourd'hui, j'ai eu la totalement d'avoir 17 ans. 17 ans, bordel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans mon studio. Studio chant, même si elle m'en lit là. Du coup, on va faire un 17 choses que vous savez pas sur moi. Puis voilà, c'est. Comme ça, vous pourrez me connaître totalement un petit peu mieux. Premier fait sur moi, j'ai 17 ans. Je suis né le 8 décembre 2003. Rien d'incroyable, mais premier fait. Je fais 1m73 pour 68 kg. Je suis pas gras, j'ai presque pas de bide. Troisième fait sur moi. Jusqu'à, je dirais bien, 15 ans, c'est extrêmement grave, mais j'ai cru que la carte du monde, vous savez la carte du monde que vous avez en histoire, et bah j'ai toujours cru en fait que ça c'était que la première phase de la Terre, et je me suis toujours demandé où est la deuxième phase de la Terre. Où est la deuxième phase de la Terre? Et en fait, je croyais que ça n'a jamais été découvert. On passe directement au quatrième fait. Quatrième fait, ça va concerner le collège, toute ma scolarité. J'ai jamais été collé une seule fois. Jamais été collé une seule fois, alors je sais pas pourquoi. Je suis toujours passé entre les mailles du faillon. Il y a encore une fois, j'avais dû te coller l'année dernière. Je sais même pas pourquoi. J'avais réussi à gratter et du coup, le proviseur m'avait dit, bah du coup, il ne fera pas tes 3 heures. Je sais même plus pourquoi. Cinquième fait sur moi. Alors, ça reste sur mes goûts musicaux. Ah. Il faut savoir que j'aime bien les musiques de Pomme, qui connaissent, et de Louise Attaque, par exemple. Écoutez-moi. Voilà, et bah par exemple, cette musique, je la kiffe beaucoup trop. Je te réveille le cerveau comme jamais. Bref, sixième fait, ça va être sur moi. Par exemple, j'adore avoir de la qualité. Par exemple, quand je vais acheter un truc, je vais être obligé de prendre le meilleur truc possible. Pas pourquoi. Par exemple, actuellement, je commence le FPV. J'en reviendrai toujours au FPV. Je vais payer beaucoup moins cher. J'en ai pour 750 euros au total. 750 euros pour commencer le drone. Ça se trouve, j'ai pas kiffé. Mais je voulais absolument me dire, si je kiffe, j'ai un truc bien quoi. Je veux être large et je pourrais vraiment le garder. Mais bon, en gros, tout ce que je veux acheter, bah ça coûte la peau du cul. Je veux finir mon setup et j'ai encore 2000 euros. Genre, j'ai tellement de trucs à acheter. Genre, je voudrais acheter un nouvel écran, un AOR. 27 pouces 240 Hz, presque 500 balles. Mais bon, en vrai, je verrai parce qu'année prochaine, du coup, peut-être avoir 500-600 euros par mois. Et là, je peux vous dire que mamma mia, pouvoir tellement m'acheter de trucs. Ah, t'as plein de la vidéo. T'as pensé à mettre le pouce bleu? Voilà. 9ème fait sur moi. Déjà pété, plus de 10 secondes. Alors. Ça c'était mon dernier que j'ai fait, c'était il y a pas si longtemps. J'étais avec un pote, on était dans une cafette, il y avait personne, il y avait simplement un gars. J'ai fait ma patte, non, et là. Bilan, le gars de la cafette, il était tout seul, il est totalement parti. Il a pris, je vous jure, c'était à mourir de rire. Le mec, il a pris ses affaires, il s'est mis à courir. On a jamais compris pourquoi, vraiment. Il a pris ses affaires, il s'est mis à courir. Pourquoi? Je n'ai strictement aucune idée. Allez, 8ème fait. Je n'ai jamais touché une seule fois. Qui est clope, drogue et tout, je n'ai jamais touché une seule fois. Et je voudrais jamais toucher à ça. Je veux que mes poumons restent purs à jamais. Vraiment, parce que je pense toujours au vélo. Mon petit vélo, je fume, il aimerait pas. Donc je veux pas fumer et je pense que je fumerai jamais. C'est pas du tout un truc qui m'attire, genre vraiment pas tout ce qui est drogue et tout. Prochain fait sur moi, j'adore m'allonger par terre. Ne me demandez pas pourquoi. En bas de ma maison, j'ai du carrelage. Il faut tout le temps que je m'allonge par terre. J'adore m'allonger par terre. C'est un truc que j'adore. Il y a des fois là, par terre, je me pose par terre sans rien. Je sais pas pourquoi. C'est une grande passion. J'aurais jamais compris, mais je sais que j'adore m'allonger par terre. Prochain fait sur moi, je fais tous mes déplacements en vélo. Savoir que actuellement, totalement vélo. J'ai quelques vélos à ma disposition. Ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être déjà vu, j'avais des vélos. Je suis grand fan de vélo. Vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Et faut savoir que je fais actuellement tous mes déplacements en vélo. Je dois aller à mon lycée, je vais en vélo. Été, hiver, pluie, verglas, etc. Je vais en vélo. Je peux pas prendre les transports en commun. La dernière fois que j'ai pris les transports en commun tout seul, sans pote, c'était premier jour de la rentrée. J'ai voulu rentrer chez moi. J'ai voulu la direction pour rentrer chez moi. Je suis allé à l'opposé. Je sais pas comment. J'ai été traumatisé. J'ai pris le vélo et je reste vélo. Et puis maintenant j'ai plus envie de reprendre les transports en commun tout seul. Je suis beaucoup trop bien parce que même les gens, ils sont tous déprimés dans le train et dans le bus, c'est affreux. Donc moi vraiment, faire largement ton vélo, en plus je gagne une heure sur mon retour. Prochain fait sur moi, je suis amoureux de ma cabane. Ah tu, j'avais pas vu venir celle-là. Hein. Et oui, ma cabane et moi, vous savez que c'est une grande histoire d'amour, genre vraiment, ma cabane, je l'aime beaucoup trop. Là, il pleut, ça fait, je viens de rentrer d'une petite heure de balade avec Kiki, et puis je me suis totalement posé dans la cabane, regardez comment elle était, dans quel état, genre... J'adore ma cabane. Je sais pas comment vous le dire, mais ma cabane, moi, jour où je devrais la détruire parce que il devrait y avoir des lotissements, ça va être extrêmement dur de la détruire. C'est comme si on était chez nous, mais en étant dehors. C'est formidable. Prochain fait sur moi, il faut savoir que j'ai pas envie de partir de chez moi. Là, actuellement, je suis chez moi, j'ai pas envie de bouger. J'ai envie que ce soit mes parents qui prennent leurs affaires et qui aillent déménager. Moi, j'ai pas envie de bouger. J'ai envie de retaper cette maison. J'ai déjà fait des plans, je vous jure que c'est vrai. Après, j'ai retrouvé et que je vous les montre. J'ai déjà fait des plans de ma maison pour savoir comment elle serait dans le futur. J'ai pas envie de bouger d'ici, j'ai pas envie de bouger.
ou si j'ai envie de bouger, franchement, j'ai envie de prendre une maison dans le même endroit que je suis et de la rénover entièrement. J'ai vraiment envie de rénover une baraque. Je sais pas pourquoi. Genre parce que il y a électricité et plomberie, j'y connais rien et j'aimerais bien un peu découvrir. Genre parce que comme ça, si je me dis j'ai un problème sur la plomberie, je serai réparé. Le truc de savoir, je sais pas y réparer, j'ai envie d'en savoir sur la plomberie, sur l'électricité. Actuellement, mon niveau de plomberie est nul. Genre vraiment nul. Prochain fait sur moi, j'ai horreur de tout ce qui pique. Par exemple, ma mère, elle va faire un super bon repas et tout. Elle va mettre petite pincée de poivre. Je vais détester tout simplement, je sais pas pourquoi. Mais papilles, et bah, je suis hyper sensible au poivre, c'est un truc de dingue. Genre, tout ce qui va être poivre, etc. Genre, rien que me dire tabasco. Faut savoir que le tabasco, je n'ai jamais goûté. J'ai trop peur, rien que le poivre pour moi, c'est déjà affreux. Donc le tabasco, n'imagine même pas. Les piments oiseaux, les délires comme ça, laisse tomber. Je sais que ma mère adore ces machins-là qui arrachent. Prochain fait sur moi. J'ai jamais aimé le Coca-Cola. Je sais que c'est vraiment un truc que beaucoup de gens adorent, mais j'aime pas. Genre, je sais pas. Prochain fait sur moi et le dernier fait sur moi. J'ai jamais réussi à rôter. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est extrêmement bizarre. Autant péter, c'est un truc que je sais faire. Rôter, je sais pas rôter. J'arrive pas à me forcer, je rôte jamais. Peut-être dû que je bois jamais de boisson gazeuse, je sais pas. Mais je rôte jamais. Bon, et bien c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous donner tous ces faits sur moi. Ça va peut-être pouvoir savoir un peu plus sur moi. Peut-être déjà fait une FAQ il y a pas très longtemps, mais bon. Moi, je suis bloqué chez moi, pluie de merde, je peux pas avancer sur le terrain. Donc je suis obligé de faire des vidéos dans mon studio. Mais bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me donner votre avis en commentaire. Allez, salam.